Nous débutons la visite en survolant une attraction incontournable, la mini-ferme. Moutons domestiques, chèvres miniatures et vaches galouées sont quelques-unes de nos 225 espèces de la collection animale du Outremby. Profitez de l'enclos de contact pour venir caresser et nourrir nos chèvres pygmées qui sont très très curieuses. Sur votre droite se dresse le pavillon Odyssée Pacifique Sud, dans lequel vous pourrez découvrir plus de 80 espèces marines. Assurez-vous d'y faire un tour afin d'admirer Zelda, la grande pieuvre du Pacifique, Neptune, le requin à pointe noire et Kayla, la tortue verte. Nous vous invitons aussi à plonger la main dans l'eau salée pour découvrir la texture surprenante de nos raies chauves-souris. Sur votre gauche, vous entendez peut-être les cris de nos perroquets arc-en-ciel. Ces petits perroquets colorés vous attendent pour se sucrer le bec à l'intérieur du jardin d'Océane. Vous pourrez les nourrir en leur offrant du succulent nectar dont ils raffolent. Prenons maintenant une pause afin de contempler notre nouveauté 2014, la Grande Traversée australienne. D'un côté, s'étend le désert rouge et aride qui recouvre le cœur de l'Australie. De l'autre côté, la végétation des régions tempérées reprend le dessus sur le sable et les roches. Suivez la route et admirez les émeus, les cygnes noirs, en plus d'une vingtaine de wallabies et de kangourous qui bondissent au travers de leur nouvel habitat. Attention, préparez-vous, c'est reparti! Oh, attention, attention! Nous approchons du parc des plus grands félins au monde, les tigres de l'amour. Le zoo héberge présentement sept magnifiques tigres de l'amour. Premièrement, nous retrouvons deux spécimens âgés d'environ 7 ans, Jack, notre mâle reproducteur, et Maziria, une femelle qui est née ici même aux Outremby en juin 2007. Avec les années, notre belle tigresse a succombé au charme de Jack. Résultat, Maziria a donné naissance à 3 tigres en mai 2013. Elle est donc l'heureuse maman de 2 jeunes mâles, Spoutnik et Yuri, ainsi qu'une petite femelle appelée Volga. Jack pourra éventuellement tester son charme sur une nouvelle venue, une jeune femelle de 4 ans prénommée Simza. Finalement, les gardiens des tigres s'occupent également de Taiga, une vieille femelle de près de 14 ans.
votre droite, vous pouvez voir le groupe de macaques japonais avec à sa tête Lulabert, l'une des têtes dirigeantes de ce sympathique groupe de primates. Cette doyenne est née en 1996 au zoo de Rome et a donné naissance à trois petits, dont l'électrisante Zoé, une petite femelle qui adore se donner en spectacle. Pour voyager à petit budget, il suffit de suivre les sentiers de l'Asie qui nous conduisent en plein cœur de la Chine avec ce sympathique petit panda. Saviez-vous que le mot panda signifie mangeur de bambou? Notre couple, Kaya et Coco, en reçoivent d'ailleurs à toutes les semaines. Par contre, ils préfèrent de loin les poires et les raisins. Notre couple au pelage roux partage maintenant leur quartier avec leurs trois bébés nés l'été passé, Zaya, Sakura et Zoro. Nous approchons maintenant du village, qui est l'endroit idéal pour manger un morceau, acheter un souvenir ou relaxer un peu. De l'autre côté du resto, le marché, vous pourrez remarquer l'emplacement des tours de chameaux. Stanley, un impressionnant chameau âgé de 8 ans, vous laissera embarquer sur son dos confortablement entre ses deux bosses pour une balade bien amusante. Descendre. Merci beaucoup et passez une excellente journée aux Ukrainiens.